salut à tous, c'est Chris Boy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les potes, je vais vous raconter c'est quoi mon rêve dans GTA Online que je veux faire depuis très longtemps. Donc, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Et sur les potes, let's go! Mon rêve dans GTA Online qui est dans GTA 5, c'est de faire du basket. Donc, ça fait très longtemps que j'attends que Rockstar essaye de peut-être de mettre une activité qui est de faire du basket comme dans GTA San Andreas. Mais le fait qu'on ne peut pas du tout, donc c'est un peu dommage que les paniers du basket, que le terrain du basket est un peu dans l'abandon car on peut vraiment rien faire. Donc là c'est plus décoration qu'il y ait. Donc comme moi j'ai envie de faire du basket dans GTA, ce que je vais faire, on se retrouve dans GTA San Andreas qui est l'un des jeux les plus gros historiques de l'histoire. Donc 20 ans plus tard, on est de retour les potes. Donc c'est GTA San Andreas qu'on peut faire du basket. Donc c'est dommage, dans GTA 5 on ne peut pas faire du basket malgré que GTA 5 a quand même 10 ans de présence et qu'il n'y a que des mises à jour du DLC qui a des promos et etc. et qu'il n'y a pas du tout une activité de GTA San Andreas. Bon, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas un qui est vraiment incroyable, qui est faire du basket ou bien faire du sport ou voir autre. Donc c'est vraiment dommage. Donc les amis, nous allons tout simplement faire du basket dans GTA San Andreas. Mais il est où le... Il est où la balle? Ah c'est bon, il est là. On va faire du basket les potes dans GTA San Andreas. Donc regardez, on fait des paniers, clac, ça rentre, pas du tout. Donc c'est pas grave, on recommence. Donc franchement, à l'époque, pour ceux qui se rappellent, moi personnellement, j'ai joué à GTA San Andreas sur PS2. Et franchement, je faisais du basket, je faisais du sport, je faisais beaucoup de trucs. Hein. Franchement, on pouvait faire beaucoup de trucs, surtout les codes triche. Qui se rappelle pour les codes triches, les gars, dans GTA San Andreas? Qui se rappelle les codes triches? Mais frère, j'arrive pas à marquer un panier, wesh. Faut pas abuser, wesh. Donc, qui se rappelle pour les codes triches? Du genre, on faisait voler les voitures. On faisait des codes triches pour avoir des véhicules cheatés et tout. Franchement, c'était incroyable. Surtout, à l'époque, dans GTA San Andreas, on avait quoi? On avait le jackpack, les gars. On avait le jackpack. Oh là là, franchement, incroyable ce jeu. Franchement, c'est un jeu vraiment incroyable. Les gars, je suis pas éclaté, hein, pour info. Hein. Je suis pas éclaté. C'est juste que là, j'ai du mal à faire rentrer. Mais pourquoi ça rentre pas? Donc, voilà, les gars, c'est ça mon rêve. Mon rêve dans GTA Online, qui est dans GTA 5, c'est de faire du basket. Et ça rentre enfin. Voilà, ça c'est mon rêve les gars, ça c'est mon grand rêve, c'est de faire du basket. Donc c'est l'un de mes grands rêves, hein. C'est pas du tout mon rêve number one, mais c'est vraiment mon rêve. Voilà, c'est rentré les gars, c'est rentré, on a fait 10 mètres, incroyable les gars, incroyable 10 mètres. Regardez ça les gars, je vais au maximum. Et est-ce que ça rentre? Oh, 10 mètres 50. Oh là là, j'ai fait le max, je crois. Hein. Je crois que j'ai fait le maximum. Hein. Incroyable, les gars. Incroyable. Le basket, les gars. Le basket. Et ça rentre. Ben oui, c'est obligé que ça rentre, les gars. Je suis un pro. Franchement, incroyable. Donc, c'est vraiment dommage que Rockstar ne met pas une activité ou bien une activité en mode libre qui est de faire du basket dans GTA Online. Mais peut-être que Rockstar peut le mettre puisque Rockstar a pas dit que c'est le dernier DLC. Donc il veut dire qu'il y a encore des DLC qui va arriver derrière. Donc peut-être que c'est une possibilité qu'il y a du basket. Mais moi, de mon côté, à mon avis, je ne pense pas que Rockstar va mettre du basket. Mais c'est à voir. Donc vu que Rockstar est vraiment à fond dans GTA 6, donc j'espère au moins dans GTA 6, Rockstar va mettre du basket dans GTA 6. Parce que franchement, c'est l'une des activités qui est vraiment extraordinaire. Et que c'est seulement dans GTA San Andreas qu'on peut faire du basket, quoi. Donc en plus, on peut faire des tricks, qui veut dire faire du freestyle avec la balle qui est la balle de basket, tu vois. Regarde, hop là, clic clic, parfait. Voilà, donc bon, voilà quoi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est l'un de mes rêves, qui est dans le top 3 de mes rêves de GTA Online. Donc n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. C'était Chris Boy Gaming. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et ciao ciao.